Ah, bouche, je ne trouve plus Il y a ma un mec en gélate. salle d'attente, wesh. Ah, oh, le flop. Wow. Wow, le flop. Oh, la soirée ratée. Oh, la dinguerie. Oh, la soirée ratée. Après, toi aussi, t'as même pas dire ça comme ça. Bah tu l'as ouais. mis sur le chat 2 secondes. Normal, et t'as espéré ouais. qu'il allait y avoir 20 personnes venir poser. Dommage, alors. On le décale à demain, alors. Wesh, non, demain, non, il y a autre chose, wesh. Ah, mais demain, il y a autre chose, ma gueule. Non, mais quand je dis demain, à la prochaine, quoi. C'est quoi le Discord? C'est point d'exclamation Discord sur le chat. En plus, il écrit juste au-dessus, ouais, je t'abuse. Ah, il se rappelle le freestyle de Dofla, il a volé les paroles. C'est vrai que même oui, ça, il a triché, ouais. T'es grave. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Attends, sur quoi? Sur quoi? Bah, non, 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 des vous paroles. Mettez pas les trucs dans le contexte. J'ai si, pas si, voulu. Si, juste... on le voit là, je mets dans le contexte, là. Je peux parler ou pas? Bien sûr, bien sûr. J'avais pas volé, j'avais fait déjà ce texte il y a longtemps, mais j'avais répété à nouveau ce texte quand on avait fait le truc de Golfit et il y avait Chab. Donc non, j'ai pas volé, c'est pas pareil, wesh, arrêtez. T'as volé. Non, j'ai pas volé. T'as volé, mec. C'est pas toi qui l'avais écrit, répété à nouveau. C'était pas toi qui l'avais écrit, même, tu nous l'avais dit ce jour-là. Non, le babouche, c'était moi, le j'ai perdu mes babouches, c'est moi qui l'avais écrit. Non, c'est pas toi, je m'en souviens. Non, c'était pas toi, je suis pratiquement sûr que c'était pas toi. Je me rappelais, on avait fait une soirée TS, mais c'était il y a longtemps. Mais si, t'avais volé. C'était pendant Golfit, frère. Mais non, les gars. La première fois, t'avais volé, c'est parce que tu l'as dit une fois, après que c'est à toi. Mais non, le freestyle des babouches, c'était moi. Attends, redis le freestyle, vas-y. J'ai perdu mes babouches, je ne trouve plus ma gel là-bas. Il n'est pas bon ce couscous, ou c'est qu'elle est ma vodka. Ouais, c'était moi qui avais écrit ça, c'était moi. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Oui, c'est mal écrit, mais je l'ai pas volé, putain. Je suis sûr que c'est pas lui, moi. Non, Kamel, wesh. C'est pas toi, mec, tu l'as volé, c'est pas grave. Vol, hein, y'a pas de problème, ma gueule. Volé n'est pas bon, mais y'a... Vol, y'a pas de problème. J'ai perdu T'as plein de refs, hein. Non, tu m'as dit ça en mode... Personne qui a écrit ça. Il a dit une dinguerie, wesh. Ah, t'es devenu un Twitter, c'est pour ça, tu fais que parler comme les gens de Twitter, là. Ah, ça fait 6 mois que tu me fais cette blague, c'est bon? Mais lui, là, c'est règle, depuis 3 mois, là, il en peut plus, frère. Non, il fait des blagues pas drôles, le petit modo. C'est un Marou. Ouais. Hey, Marou, il a la haine. Ouais. J'ai un truc à faire avec ma meuf demain, et elle a sa copine, tu veux venir ou pas? Jure. Ouais. Jure. Mais tu t'habilles bien. Non, j'ai un basket demain, je préfère faire du sport. Ta mère, alors. Il a dit ça, mais il l'a pas. Okay. Marou, il en peut plus là. Je vais vous dire s'il sera au basket demain. Je vous le dis, s'il est au basket demain, je vous le dirai. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure, Dofla? C'est à 14h le basket. Ça va être le soir, je pense. Jure le soir. Mais j'ai ah, le temps, le soir, c'est le soir, bon. Il y a le truc, frère. Mais t'es... Ah, c'est avant ça. Incroyable, frère. Mais pour la journée de fou qui arrive. Théâtre, allez, ouais, bref, flemme de parler. Vas-y, ta gueule, c'est mais réfléchis avant. Dire, on t'a toujours dit, attends, frère. La phrase, j'avais trop la flemme de la faire. Non, non, il y a ma femme qui regarde le stream là, je rigolais. Wesh. Laquelle? Elle se déchirait tellement. Hey, dites pas laquelle, elle écoute vraiment là. Bah ouais, mais laquelle, j'ai dit wesh. Ah. Merci Getful pour le Prime. Aïe, aïe, aïe. Merci. Je rigole, merci. Là. Hein. Voilà, aucune meuf, Marou. Il vient du tweet du plagiat. Du envoie. Attends, envoie. Je non, te jure que ça m'intrigue. De quoi? Attendez, je vous jure que ça m'intrigue. Oh, attendez, bonsoir, Taour. Oh, vroom, vroom, vroom. Je me joindre à vous, mesdames et messieurs. Oh, les frères, j'ai... Oh là 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 là, tribunal, ding. Aïe, mesdames et messieurs, tribunal contre Dofla, la cour d'assises est ouverte. La cour d'assises est ouverte. Je suis en cours de maths, je suis en cours d'assises. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, attendez, il faut mettre le générique. Il faut mettre le générique. Attendez, taisez-vous, générique. Toujours le même fils de chien. C'est vous, générique, ouais. Son prénom, non. Attends, oh, vocal. Mesdames et messieurs, le tribunal réouvre ses portes officiellement. Il est en travaux, bien évidemment, avec le Covid. Je suis obligé de faire ça de chez moi. Je ne peux pas me rendre au tribunal. Et aujourd'hui... T'as mis le générique complet de... T'as ouais, c'est, tel... ouais, c'est ça, je me suis dit. Moi, j'aurais pu mettre 2 secondes. Je me suis dit, il a pas. Non, je qu'il allait mettre un fond vert à truc, il a mis 2 minutes. Frère, mon fond vert, il est dans la cave et tout, c'est ouais, mort, ouais, c'est impossible. Bien, mais vas-y. C'est impossible. Bref, okay. C'est le Covid qui oblige, je suis obligé ouais, de tenir sûr, la cour sûr, de chez sûr, moi. Sûr. Comme vous le voyez, je suis arrivé en urgence, je suis en t-shirt. Préciser, si j'ai pas ma tenue de mère. Oui, monsieur. Juge, il faut pas m'interrompre par contre. Excusez-moi. Taisez-vous, vous pouvez pas m'interrompre. J'ai pas fini. D'abord, j'ai mon introduction. Aujourd'hui, l'accusé est Dofla. Oui, monsieur Taour, qu'est-ce qu'il y a?
Peut-on préciser que c'est encore une fois et toujours le même? Oui, oh, évidemment. Oui. Nous sommes déjà à son troisième ou quatrième tribunal officiel. Sans compter les affaires classées sans suite par gentillesse, car on en avait marre de régler ses affaires. Alors, le sujet d'aujourd'hui traite d'un freestyle que Doflamingo, El Roro, le Red Stick, le Bâton Rouge ou encore le personnage principal auraient écrit... Dans, bon, enfin, je l'ai déjà. Attends. Hé, hé! Aurait écrit il y a longtemps dans le passé. Mais ta gueule, frère! Ce freestyle, un jour, lors d'un golf défi, il nous l'a ressorti. Et il a dit que ça venait de lui. C'est lui qui l'a écrit. Ça vient de lui. Aujourd'hui, le procureur versus Dofla, l'état de la CACORP contre Dofla, côté protégera l'état de la CACORP. Et Dofla se protégera lui-même. Côté, quelles sont les preuves, quelles sont les pièces à conviction? Alors, il se trouve que tout d'abord, ma parole et celle d'une certaine personne nommée Kamel étaient contre celle de Dofla, à savoir que Dofla n'avait pas écrit le freestyle des babouches. Exactement. Il n'avait pas les droits sur ce freestyle. Il ne l'a pas rédigé, mais il s'en sert régulièrement. Doflamingo, okay. Ici présent, nous affirmait l'avoir déjà utilisé ce freestyle et écrit. Et écrit, de ses mots. Oui, bien sûr, il disait l'avoir écrit de lui-même et l'avoir juste réutilisé lors d'un golf défi. Mmh. Or, il se trouve que Ara, ici présent sur le chat, nous a fait preuve d'une pièce à conviction évidente. Je vous l'envoie. Oh, évidente. What the fuck? Qui prouve non seulement que Dofla n'a pas écrit ce freestyle, mais qu'en plus, il nous a menti pour la seconde fois. Donc, quand on lui a dit tu as volé le freestyle, il a dit non, je ne l'ai pas volé, je l'ai écrit. Et là, vous auriez une pièce à conviction qui prouve tout l'inverse. C'est exact. Votre honneur. Est-ce que je pourrais avoir la pièce à conviction? Pouvez-vous me la porter? Bien entendu, je l'envoie à votre assistant Team Pick User. Voleur. Okay, très bien. Je plus trop son. Merci Team Pick User. Ok, je vais ouvrir ça. Alors, une fois qu'il est ouvert, est-ce que je pourrais... Ok, très bien. Je vais... de cette pièce à conviction. Très bien, je vais la montrer. Je vais la montrer tout de suite au public, aux jurés aujourd'hui. Merci d'être ici. Merci d'être présent pour cette affaire. Alors, qu'est-ce que représente cette pièce à conviction? On a Zitouni Abdeljalil @Dilou99 qui a tweeté Doflamingo avec son ancien @Dofla. J'ai perdu mes babouches, je ne trouve plus ma gueule là-bas et je ne pourrai pas lire le suite de la suite étant donné que je suis maire et c'est pas... Alors du coup, cette personne, Dilou99, ici a écrit un certain petit texte pour Doflamingo, le bâton rouge. Oui, du coup, ce n'est pas lui. Là, oui, cette pièce à conviction nous fait croire que Doflamingo aurait sûrement demandé à quelqu'un de lui envoyer un freestyle et que du coup, compositeur de ce freestyle serait Zitouni Abdeljalil. C'est bien ça? C'est ça. Alors, en fait, en temps normal, s'il n'y avait pas écrit « Certifié disque d'or », on aurait pu se dire que la personne avait juste recopié le freestyle de Dofla. Mm-hmm. Or, ici... Comme on peut le voir, cette personne écrit « Certifié disque d'or », ce qui prouve qu'elle veut lui proposer ce freestyle pour exactement. Que Flamingo l'exerce et ainsi excelle devant tout le monde. Et c'est bien ce qui s'est passé. Comme dirait Nino, ce n'est plus un freestyle, c'est une ablation. Ok, la défense d'Ofla, qu'est-ce que vous avez à dire face à ces accusations et face à cette pièce à conviction? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Connard. Alors, j'ai quand même de la chance ce soir, j'ai quand même de la chance. Ok. Alors, le monsieur Zitouni, c'est quand même un tweet qui date de longtemps. Oui, justement. Et j'ai la chance de l'avoir eu dans mes DM. Donc, le tweet, il date de 2017. Mm-hmm. J'ai glissé mes DM, je lui dis « Yo, t'es là ?» Il me répond « Yo, oui !» pour l'interrogation. « Mec, regarde le tweet. » Après, j'ai inséré le tweet, j'ai perdu mes babouches, etc. « C'est quoi ce tweet? Est-ce que c'est une phrase de moi ?» Oui. Il me dit « Oui !» Donc là, déjà, ça me disculpe. Et il m'a cité que c'est une des phrases de tes anciens lives sur Dofus. Voilà. Question, Dofla. Oui, monsieur. De quand date CDM? De maintenant. De maintenant. Voilà. Opposition. Objection aussi. Oui, KZ, accordé. Alors, moi, je pense qu'il a dû parler de babouche dans un live et lui a remixé, il a fait les paroles pour que ce soit dans son délire à lui. Que ce soit dans le délire de Dofla.
Bah non, c'est lui qui a écrit les paroles. Alors, côté, vous pouvez reprendre. Très bien, monsieur Cazet. Concernant le témoignage d'aujourd'hui de la part de Gilou99, je pense que la personne n'a pas trop compris de quoi Dofla parlait et lui a répondu oui, c'est ce que tu avais dit lors d'un live. Peut-être que Doflamingo l'aurait soudoyé. Il gagne souvent au Paris Sportif récemment. Du coup, il l'aurait sûrement soudoyé. Comme on peut le voir dans le tweet initial, la personne lui dit certifié disque d'or. C'est un truc qu'on dirait à quelqu'un qui est en train d'essayer d'écrire un texte. Je confirme. Et dans mes pensées, parce que j'étais présent lors des faits, je me rappelle que ce texte, tu ne l'avais pas écrit, c'était Avior qui l'avait donné, on avait déjà eu le débat. Oui, vous avez abusé, c'est sûr que Dofla, il a... Et c'est Bibi qui avait trouvé ce tweet, il me semble. Oui. Non, ça je sais plus. Mais je me semble... Mais est-ce qu'on pourrait ramener Zitouni Abdel Jalil à la barre, s'il vous plaît? Moi, je me souviens que c'était le mec qui avait fait son tweet. C'était pas lui qui avait écrit pour le tweet. Mesdames et messieurs, Dofla n'a rien à voir. Oh, taisez-vous, oui, côté. J'ai une nouvelle pièce à conviction. Une nouvelle pièce à conviction à porter à la cour. Une pièce à conviction premium, mesdames et messieurs. Parce que depuis tout à l'heure, il continue de se défendre en disant que c'est faux. Est-ce qu'on pourrait l'avoir? Rapportez-la à mon assistant TeamSpeak User. J'espère en tout cas qu'il y aura sanction. C'est tout ce que j'ai demandé. J'envoie ça à TeamSpeak User, encore une fois. Envoie dans le channel directement. Non, je l'envoie d'abord à TeamSpeak User. Aïe. Je ne veux pas qu'il ait le temps de réfléchir. Alors, dites-moi quand vous allez afficher ça. C'est une pièce à conviction. Oui, mais il faut l'expliquer. Ok. Menteur. Grande catégorie. Ok, très bien. Je vais montrer cette pièce à conviction tout de suite, mesdames et messieurs. Vous allez être choqués. Oui. Est-ce que tu affirmes bien devant tout le monde ici de Flac que tu as écrit ce texte? Normalement, oui, ouais. Ok, normalement, oui. Ok. Oui, ok. Très bien. Alors, nous avons des paroles sans musique. Un lien qui nous vient tout droit d'Internet. Le morceau Couscous en boîte. J'ai perdu mes babouches, je ne retrouve plus ma djellaba. Il n'est pas bon ce couscous. Où est-ce qu'elle est ma kasba? Est-ce qu'on aurait l'artiste de cette chanson? Alors ma question, elle est très simple. Est-ce que Doflamingo Roro a un talent tellement inouï et une lumière sur ses projets tellement... Serait-ce une coïncidence? ...a décidé d'en faire un texte et de le poster sur un site internet? Ou est-ce que Doflamingo Roro, le bâton rouge, a fait un remix de cette chanson? Il y a un remix. Attention, 2011, elle date de 2011 et ton freestyle serait paru en 2018, c'est bien ça. 2017-2018, Jean-Marc Laniel. Très bon texte d'ailleurs. D'où ma question avant de montrer cette pièce à conviction. Est-ce que Doflamingo, tu as écrit ce texte? Je l'ai remixé. Ah, oh là 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 là. Je voulais un... Monsieur Doflamingo. Mais d'accord, mais vous dites que je l'ai volé à un tweet. Mais on va l'envoyer à l'asile, mais il faut aller à l'asile. Saint-Anne, il y a des places, mais de partout. Mais monsieur, soit restez sérieux, Dofla, n'aggravez pas votre cas. N'aggravez pas votre cas, Doflamingo. Monsieur Doflamingo, maintenant. Il n'a jamais été question de remixage. On a tout le temps parlé d'écriture de ce freestyle. Est-ce vrai ou faux? Donc maintenant, ça devient un remix, maintenant qu'on a rapporté les pièces à conviction? Alors, maintenant, j'ai une petite question. Le procureur vous a demandé, juste avant de nous donner la pièce à conviction, avez-vous écrit ce freestyle et vous avez répondu que oui? Je pense qu'on peut dire que le mensonge est inné chez lui. Ah, c'est... Il est ancré. Mais même là, il veut pas lâcher le steak. Mais ouais, je dis que t'as un mensonge, on s'en fout. Monsieur le juge. Quand bien mais même, frère, c'est un truc de 2000, je sais pas combien. Attends, monsieur le juge, quand bien même il aurait un cicatrique. Monsieur le juge, quand bien même il aurait pas. Attendez, quand bien même il aurait remixé. Dans ce remix, il n'y a qu'un mot qui change. Je n'appelle même pas ça. Il a changé Kasba par vodka. J'appelle ça. C'est un larcin. Attendez, les gars. C'est un voleur, monsieur le juge. C'est un truc qui date d'il y a 3 ans, quand même. Quand même, les gars. Assistant Siri, veuillez appeler Saint-Anne, s'il vous plaît. Il n'y a pas prescription. J'ai perdu mes babous, je retrouve plus ma G. Ah ouais, bah ouais. Ma casse-bâche, il savait pas. Alors, il savait pour la petite anecdote. Casse-bâche, je sais pas ce que c'est. Du coup, je l'ai remplacé par vodka. Ah, mais maintenant, t'as remplacé maintenant. Maintenant, monsieur Doflamingo, admettez-vous ne pas avoir écrit ce texte. Ouais, je l'ai avoir eu tort sur votre défense depuis le début. Donc, vous avez menti 2 fois, plusieurs fois, et vous avez tenu tête au lieu de juste avouer votre mensonge qui vous aurait épargné beaucoup de temps. Bah, à l'époque, j'aurais juré. Enfin, là, tout de suite, je t'aurais dit que je l'avais écrit parce que je l'ai trop spam. Genre, je l'ai spamé sur Dofus. Je l'avais spamé quand il y avait le golf avec Chapé et tout, j'avais perdu.
et je l'avais respam lors d'un autre freestyle où il y avait tous les mecs sur le Discord, mais ça c'était à l'ancienne, l'ancienne. Mais il a beaucoup d'explications farfelues, frère. Il est tellement, il a tellement menti. Il ment tellement qu'il croit lui-même ses mensonges. Monsieur le juge. Lui-même croit en ses mensonges. J'ai une enquête. Oui. Oui, monsieur le procureur. Pouvons-nous l'envoyer en VIP, en hôpital psychiatrique? Parce que là, ça dépasse les limites. Ça dépasse l'entendement. En effet, la prison ne changerait rien pour un cas pareil. Il faut, il a besoin de changement radical. Je pense qu'il faut l'attacher. Alors, c'est un malade. Là, c'est un malade mental. Comprenez-vous mon agacement l'autre jour lorsque j'affirmais haut et fort qu'il avait menti sur le fait de savoir que Stacy était portugais? Oui, j'en suis sûr qu'il a menti aussi. Camaro est devenu fou. Merci. Je suis sûr. Camaro l'a touché. Non, non, non. Je sais que t'as envie. Non, t'as menti.